chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Comme vous avez pu le constater lors de nos vidéos précédentes, nous vivons une très belle aventure en Australie grâce à la détection d'or. Certains d'entre vous nous ont demandé comment faire. Alors voilà. 2. L'élément indispensable pour avoir le droit de détecter, c'est le miner's right. Pour l'État du Western Australia, c'est-à-dire l'Australie occidentale, il est valable à vie et ne coûte que 25 $. Vous pouvez le demander par Internet ou vous rendre directement dans l'un des bureaux des mines. Pour votre détecteur, le mieux est de choisir l'un de ceux proposés par la marque Minlab, particulièrement efficace sur le sol australien. Personnellement, nous avons opté pour le GPZ 7000 et le SDC 2300. Pensez à prévoir un deuxième jeu de batterie pour vos appareils. Bien sûr, vous compléterez avec le petit matériel classique, tel que une pioche, mais aussi une petite pelle. Désolé, j'en ai deux. Ben oui, bien sûr. Parce que, en fait, le matériel, c'est un pour chaque personne. Si vous êtes plusieurs à détecter, il faut bien penser que les appareils vont se faire des interférences si vous êtes trop près. Donc, pensez bien à avoir chacun votre pioche, chacun votre pelle, etc. Par contre, en fin de journée, pour peser vos trésors, il vous faudra une balance. Bon, ben là, une peut faire l'affaire pour plusieurs personnes. Mais il faudra aussi penser à votre sécurité, ça c'est extrêmement important. La détection en Australie, c'est quelque chose de bien particulier et les dangers sont réels. Il faudra vous munir d'un bon GPS. Mais aussi une balise de détresse. À ne faire fonctionner qu'en cas d'extrême urgence, bien entendu. Et bien entendu, se protéger contre les animaux, en particulier des guêtres anti-serpents. Hop, ça c'est les tiens. Moi les miens, je les ai déjà. Je suis beau avec, hein. Et il en va sans dire, des protections solaires, un kit de réparation pour les pneus et une très grande réserve d'eau. Pour être autonome en électricité, c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc un panneau solaire qui alimente une batterie secondaire. Celle-ci, elle est installée dans ce qu'on appelle une boîte à batterie. Cette boîte à batterie permet d'avoir l'énergie suffisante pour alimenter tous vos appareils, c'est-à-dire recharger vos détecteurs, mais aussi les piles des GPS, des lampes, de votre ordinateur, etc. Pour transporter tout ça, il faut prévoir un bon véhicule, un 4x4 bien entendu, parce que vous allez vous déplacer dans le bush. Ben oui, c'est là que se trouve l'or, c'est dans le bush. Personnellement, nous sommes très contents de notre Toyota Prado Grande. Un autre élément important à prendre en compte, c'est le couchage. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Un lit à l'intérieur de la voiture, comme nous l'avons fait. Mais vous pouvez aussi opter pour une toile de tente au sol ou bien une rooftop tente fixée sur le toit de votre voiture. Quelle que soit l'installation que vous aurez choisie, pensez à garder de la place pour la réserve d'eau. C'est primordial. Nous, vous voyez, on a installé nos bidons sur le toit, mais aussi un jerrycan. Suite du numéro 8. Une fois que vous êtes entièrement équipé, il ne vous reste plus qu'à démarrer votre aventure. Allez, en avant !